l'impression qu'elle va avoir de sérieux embêtements. Ça coûte combien, ça, là-bas? Quoi? Oh, merde, alors! Oh, mais ça, où tu l'as pris? C'est incroyable, tu fais comme chez toi, tu prends tout ce que tu veux. Ouais. Je vais demander à ton père ce qu'il en pense. Attention, je vais tirer! Vous allez payer pour tout ce que vous avez pris. D'accord, papa. T'en veux, Pete? C'est pour rendre visite à quelqu'un d'ici? Pas vraiment, non. Quand vous parlerez à mon père, dites-lui aussi que vous vendez de l'alcool à des mineurs. Est-ce que vous avez une pièce d'identité? Non. T'as sûrement pas 21 ans, toi? Espèce de taré. Tu viens, bonjour. Toi. Dis-moi, t'aurais pas vu une fille avec un chien? Tu débarques ou quoi? On dirait que tu viens de descendre du bus. Ah, je l'adore celle-là! Ce mec-là, il sait chanter. Et tu sais ce qu'il a? Un élevage de serpents à sonnette. Moi, je t'ai dit, il a peur de rien. Dis donc, tu viens d'assister à l'apocalypse pour avoir une tête pareille? T'aimes peut-être pas ce style de musique? T'as le droit, tu sais. Ça va être joli. Lâche pas, salaud! Bouge pas. On va t'arranger ça. Non! Arrêtez! Non! Lâche-moi! Non! Bouge pas, faites pas ça! Et un spaghetti bolognaise pour Kate! Et puis viens, si tu regardes pas, tu vas rater le spectacle. Non. Et toi, quoi toujours? Lâche-la, toi. T'as entendu, connard? Lâche-la, fais ce qu'il te demande. Fais pas le con, mec, je voulais pas tuer ce chien, je te jure. C'était une blague. Seulement une blague. Viens vite, Johnson. Lâche-moi, le train arrive, lâche-moi, je t'en supplie. Vite, lâche-moi, mec. Merde. Lâche-moi, merde. Laisse-moi me relever, mon sang.
est mon fortiche. Et toi, comment tu t'appelles? Termine tes émotions. Merci pour le coup de main. Il aime bien les étrangers. Il est certainement pas d'ici, alors. Pourquoi est-ce que vous dites ça? Pourquoi vous êtes venu si ça vous plaît pas ici? Peut-être pour rencontrer votre chien. Ah ouais? Ben c'est raté, parce que c'est pas mon chien. Allez, viens, Johnson. Vous attendez pour une chambre? Une chance que je sois rentrée, j'ai laissé Small il y a 3 semaines. Vous avez le choix, mais toutes les chambres sont pareilles. N'importe. C'est la plus proche du bureau. Et ne vous inquiétez pas, je ne viendrai pas vous poignarder quand vous serez sous la douche. Plaisante, bien sûr. Vous n'avez pas vu Psychose? Non, je vais rarement au cinéma. Ah. Ça fait $11, c'est le prix de basse saison. Alors, vous êtes venu voir quelqu'un ici ou bien vous êtes trompé d'arrêt de bus? C'est le bon arrêt. $117 une semaine. Vous pouvez signer le registre. Je suis content que tu sois resté. On se reverra. Une de ses peurs. Il faudra que je mette une clochette là-haut. Vous voulez quelque chose? Oui, un couteau comme celui-là. C'est plutôt rare de voir des clients à cette époque de l'année. Ça vaut même pas le coup d'ouvrir. Collectionner les menottes? Ouais. Depuis mon enfance, ou presque, j'ai la plus belle collection de tout l'État. Je viens d'en acheter une paire que je fignole dans l'arrière-boutique. Celle qu'on a mise à Gary Gilmore juste avant sa mort. C'est moi avec mes potes. On y va tous les ans. Ah oui? Toujours les mêmes?
Tous sauf un. Et vous? Vous aimez la chasse? Je viens de commencer. Ça vous fait $36.63. Vous n'irez pas très loin avec des balles de tennis, un couteau et une bombe à moustiques. C'est ça les menottes dont vous parliez? Qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce que vous... Ah! Qu'est-ce que vous voulez? Oh! Qu'est-ce que vous voulez? Écoutez, prenez ce que vous voulez. Tout ce qui est ici est à vous. Dites-moi ce que vous voulez! Je veux que vous vous rappeliez. Que je me rappelle quoi? C'était pas moi. Croyez-moi, vous faites erreur. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Moi, j'ai rien fait. Je vous le jure. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites avec ça? Arrêtez! Arrêtez! C'était pas moi. J'ai rien fait, c'était les autres. J'ai tiré sur le bus et tout ce que j'ai fait. Je savais pas ce que les autres allaient faire. Je vous en supplie, croyez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Répondez-moi. Qu'est-ce que vous faites avec cette bombe? Répondez-moi. Je vous dis que c'était pas moi. Ta gueule. Il ne vous dérangera pas, il s'est endormi. Il est là, hein? C'est pas pour lui qu'on est venu. Vous avez l'intention de rester là toute la nuit? Vous avez payé la chambre, alors autant vous en servir. J'ai déjà assez désert ici toute la journée. Je me demande ce que vous pouvez bien regarder la nuit. Coucou, c'est la petite souris. Tu l'as tué, connard! Pas tout à fait. Je t'ai dit que je l'avais pas tué. Tire-toi et emmène-le. Allez, viens, ça va aller. Viens.
Alors, tu me laisses entrer ou tu préfères me fendre le crâne? J'ai cru que c'était encore tes copains. C'est pas mes copains. Je sais, et c'est pas ton chien. Allez, viens là. Viens. C'est la vérité? J'ai eu envie de le garder jusqu'à ce que mon père revienne de Chicago. Et après? Il s'en ira. Mon père aura des chiens. Je m'appelle Kate. Kate Garvey. Qu'est-ce que tu es venue faire par ici? Respirer l'air de l'océan. L'océan le plus proche est à 2 heures d'avion. On m'a eu, alors? Tu sais, je fais ça seulement parce que tu m'as aidé, d'accord? Je vais préparer un dîner ce soir. Alors, si tu veux venir manger avec nous. Oui, avec plaisir. J'enverrai quelqu'un te chercher vers 6 heures. Allez, viens, Johnson. Tu montes? Tu te manges, merde. Monte dans cette Jeep. Je peux pas, j'attends quelqu'un. Celui que tu attends, c'est moi, imbécile. Écoute, cette chanson est presque finie et il faut que je sois à 140 avant que la prochaine commence. T'aimes bien ma sœur, pas vrai? Oui, bien sûr. Non, je veux dire, tu l'aimes bien, tu veux devenir son copain, hein, ma sœur? Oui, j'aime bien ta sœur. Je sais pas encore quel genre de mec tu es pour l'instant, mais j'ai envie de te donner ta chance. Très bien. On va causer d'homme à homme. Ma sœur nous fait un dîner. Je sais pas ce que ça donnera cette fois-ci, t'auras peut-être la nausée, ou des boutons. Mais même si tu trouves ça dégueulasse, même si t'as l'impression que c'est la bouffe du chien d'il y a 15 jours, même si t'as envie de gerber, il faut que tu lui dises que t'adores. Si tu veux garder, bien sûr, la moindre chance de te l'envoyer. N'oublie pas ce que je viens de te dire, d'accord? T'inquiète pas. T'as mis une robe? En quel honneur, tu vas à un enterrement? Si vous voulez bien vous asseoir. La dernière fois que je l'ai vue en robe... Ça alors. Mais je l'ai jamais vue mettre une robe. J'ai fait un chili. Vous pouvez vous asseoir et manger. Fais attention. Faut pas que tu mettes du chili sur ta belle robe. Louis, ça va refroidir. J'ai fait un rôti de rat une fois. Je lui ai coincé une pomme entre les dents et tout. Je l'ai peint en bleu fluo, j'ai mis du vin dans la sauce. Elle a pas aimé du tout. Il n'était pas assez cuit. Vous pouvez commencer. C'est délicieux. Ce serait pas Juanita qui l'a fait avant de partir? Juanita? Notre quatrième cuisinière ce mois-ci. Mon père les engage et moi je les expédie en enfer grâce au pouvoir de ma musique. Celle-là, elle a tué le coup pendant 3 jours. Elle a cru que je m'adonnais au culte de Satan ou à un autre truc du même genre. Alors, comment tu le trouves, ce chili? Ma mère le faisait comme ça. Maman? Il est bon, tu trouves pas? Au fait, tu nous as pas encore dit ton nom? C'est un vrai régal, ton chili. Comme nom, c'est bizarre. Louis! Mais un gars qui sait manier le manche à balai comme toi... Il peut s'appeler comme il veut. C'est pas que je m'embête avec vous. Au contraire, mais... Il n'y a pas de repos pour les mordus de musique. Louis aime le genre de musique très hard. Oui, j'ai eu l'occasion de voir ça.
Tu comprends pourquoi on a du mal à garder nos cuisinières? J'ai un petit cadeau pour Johnson. Il n'est pas là? J'en sais rien. C'est pas ton chien. Je sais. Tu ferais bien de le lui dire. Tu ne m'as toujours pas dit pourquoi tu étais venu ici. J'étais dans le bus et j'ai regardé par la fenêtre et je me suis dit, ça a l'air sympa par ici. Tu n'es pas obligé de me le dire. Quand tu repartiras, tu iras où? Je ne sais pas. J'ai toujours rêvé d'aller dans le Montana. Tu y es déjà allé, toi? Non. Pourquoi tu n'y vas pas? Je dois m'occuper de mon frère, de mon père. Tu sais comment sont les parents? Non, j'en sais rien. Comment ça? Mes parents sont morts. Je suis désolée. Ma mère nous a quittés aussi. Elle est morte de quoi? Elle n'est pas morte. Elle est partie. Si c'est trop fort pour vous, c'est que vous êtes trop vieux. Il est toujours comme ça? Tu l'as pas encore vu quand il est vraiment excité? Je sais pas si je pourrais le supporter. Ça va être comme ça toute la nuit? J'ai bien peur que oui. Je crois que je ferais mieux de te ramener. Merci. Qui est là? C'est moi. C'est moi, la gérante. Oh. Oh. On a à causer. J'ai l'impression que t'as été fourré ta queue dans le mauvais trou, gros malin. On m'a dit que t'avais attaqué deux garçons sans aucune raison. Pourquoi est-ce que t'as fait ça? C'est à eux qu'il faut le demander. Je ne vois pas pourquoi je m'adresserais à eux alors que je trouve notre conversation très plaisante. C'est pour quoi faire ça? Pour les insectes. Et ce truc-là? Pour les plus gros. Mais enfin, arrête, Luc. Je m'appelle Luc Clannon. Je suis le shérif de ce comté tout entier. J'habite ici à Whitebrush et j'aime notre petite ville bien tranquille. Il n'y a jamais de problème. Je me trouvais à l'autre bout du comté, assez loin d'ici ce matin, quand j'ai eu ce coup de fil à cause de toi. Et il a fallu que je prenne ma voiture. Il a fallu que je fasse toute la route jusqu'ici dans une chaleur torride. Parce que la climatisation est foutue dans ma bagnole. Et en plus, on peut pas baisser la vitre du côté conducteur. Et j'ai vraiment horreur de conduire dans la chaleur. Non, Luc. Oh. Oh. Ça lui apprendra. Oh. Oh. Et je veux pas que ça recommence, t'entends? Qui va te tirer d'ici. Et quand tu seras parti, Whitebrush sera de nouveau la gentille petite ville bien calme qu'elle était. J'ai payé pour une semaine. Ah, c'est très bien ça. Ça doit être à peu près ce qu'il faudra pour couvrir les dommages causés. Mais quel dommage, un couvercle de toilette. C'est tout. T'en veux pour combien de dommages? Je t'ai déjà vu quelque part. Je vais vérifier si t'es pas recherché pour quelque chose. Je ne suis pas recherché. Ça, tu l'as dit. Il y a personne qui veuille de toi ici. N'est-ce pas, Alice? Laisse tomber, Luc. Ce n'est qu'un gosse.
Qu'est-ce que vous venez faire ici? T'as déjà rencontré mes fils, non? Papa, on est venu te prévenir pour Jim Walters. Sa femme l'a trouvé mort dans les chiottes. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Le docteur dit qu'il s'est étouffé en vomissant. Qu'est-ce que ça a de tellement marrant? J'ai l'impression que tu nous as apporté le mauvais œil, petit enfoiré. Je vais traverser la rue pour voir comment mon copain est mort. Et quand je reviendrai, je veux plus te voir ici. Salut Alice. À tout à l'heure. Vous allez un jour me fiche la paix, oui. Partez, soyez gentil, sinon je vais avoir des ennuis. Get a clue, get a grip, get a life! Yeah! Get a clue, get a grip, get a life! Yeah, bang! Get a clue, get a grip, get a life! Yeah! Get a clue, get a grip, get a life! Yeah! Get a clue! Merde. Je vais chercher Kate. C'est Peter Lane qui t'ont arrangé comme ça, n'est-ce pas? J'espère que tu les as arrangés encore mieux. Louis, il est très mal et tu ne l'aides pas. Va plutôt chercher une serviette. Je voulais juste savoir ce qui s'est passé. Oh. Louis, va chercher une serviette. Pardon pour lui. C'est rien, je l'aime bien. On va enlever ce maillot. C'est très joli. Qu'est-ce que ça représente? J'en sais rien. Pourquoi tu le portes alors? Mon père le portait. Ah. Désolé d'être venu ici. J'avais nulle part où aller. Enlève ton pantalon. Je veux juste laver tes vêtements. Johnson te tiendra compagnie, d'accord? Johnson. Génial. J'arrive pas à croire que le shérif l'ait tabassé comme ça. Je suppose que il doit commencer à te plaire. Et à toi, non? En tout cas, il sait se battre. Ou plutôt, il sait se défendre. Mais enfin, on ne sait absolument rien sur lui. On sait juste qu'il vient d'arriver. Et qu'il a empêché Peter Arlan de tuer Johnson. D'accord, mais il n'aurait pas commencé à nous emmerder s'il t'avait pas vu discuter avec lui. C'est stupide, Louis. Ces mecs-là ont toujours été des salauds. Tout ce que je dis, c'est qu'on ne sait rien du tout sur lui. Il a même pas de nom. Arrête un peu. D'ailleurs, qu'est-ce qui te fait croire qu'il me plaît? Tu as été chercher les recettes de maman? Ça veut rien dire. T'avais dit que tu ne voulais plus rien avoir à faire avec elle. Je l'en ai beaucoup voulu de nous avoir quittés. Il m'arrive de me souvenir de certaines choses. Elle s'asseyait souvent à cette place et elle te prenait sur ses genoux. Je me rappelle comment elle te regardait toujours. Comme si elle avait peur que tu disparaisses si elle te quittait des yeux. Elle nous adorait, tu sais. Non!
devrais peut-être le réveiller. Tu devrais peut-être lui fiche la paix. C'est là qu'on dépose le sang. Les hippies mettent ce genre de truc pour se protéger du mauvais œil. On veut pas de votre saloperie de communauté. Nous avons acheté ce terrain. Alors vous allez mourir sur notre terre. Tu as retrouvé tes affaires ? Oui. Merci. Ça va mieux ? J'ai un peu mal encore, mais ça va mieux. C'est un gros ranch. Toi et Louis, vous êtes seuls ici ? En cette saison, il n'y a pas grand-chose à faire. Mon père donne un congé d'un mois au personnel et moi, je m'occupe des chevaux. J'ai toujours adoré ça. Tu montes souvent ? Oui, depuis longtemps. Mon père m'a donné Cutter pour mes 11 ans. Tu montes ? Non, non, d'ailleurs, je ne connais rien aux chevaux. Je pourrais peut-être t'emmener un de ces jours. Oui, ça pourrait se faire. Ils sont branchés à années 70, complètement Aerosmith. Et ceux-là, ils se sont jamais remis d'avoir entendu Bon Jovi. Et alors ceux-là, ce sont de vrais génies. Non, maintenant écoute ça. Et on dit que le rock'n'roll est mort avec Bon Scott. Bon Scott. ACDC. Highway to Hell. Tu sors d'où? D'une autre planète? Oui. C'est à peu près ça, oui. Ça, c'est la fin de ta première leçon. Heavy Metal 101. Des questions? Comment tu peux écouter ces trucs-là? Fort. Vraiment fort. Tu prends un bout de ce machin-là, et si t'en fais une boule très serrée, tu peux briser un crâne avec. Tu connais de ces trucs bizarres ? Ouais, et on m'a pas appris ça à l'école. Il t'a fait écouter tous les albums de sa collection ? On était en train de se refaire une éducation. Je vais en ville chercher à manger pour les chevaux. J'en ai pas pour longtemps. Si tu vois Pete et Harlan, arrange-toi pour les écraser. Ça t'embête si je viens avec toi ?
Et si on tombe sur le shérif? T'as l'air de savoir te défendre. Tu t'en sortiras très bien. Hé! On sait jamais. C'est un truc qu'il a pas appris à l'école. Dis-moi, ton père doit revenir, Kate? Sans doute bientôt. Il sera revenu demain, peut-être. Ah, t'es au courant pour Jim Walters? Il est mort. Comment c'est arrivé? Il s'est étouffé. Un accident. C'était un amoureux de la nature. Il est venu ici il n'y a pas longtemps et il m'a raconté que sa femme voulait qu'il lui fabrique une maison pour les oiseaux, pour l'accrocher dans son jardin. Et il voulait savoir quelle graisse fallait y mettre. Un homme sur le point de mourir et qui vient me parler de problèmes de graisse d'oiseau, la vie est bizarre tout de même. Bon, je vois que t'as pas besoin de moi pour t'aider à porter tout ça dans ta voiture. Vous avez très bien vu. Tu le connaissais, Jim Walters? Ici, c'est le genre d'endroit où tout le monde connaît tout le monde. On venait souvent ici à cheval avec ma mère. On s'arrêtait. Elle me disait, regarde autour de toi, ma chérie. Ce que tu vois, c'est le milieu de nulle part. Elle disait que c'était le genre de pays qui pouvait user un homme. Comme le vent peut user une falaise. Il y a des tas de façons différentes, disait quelqu'un. Ça peut être juste un sentiment qu'on porte en soi. Mais tellement fort que si on te coupait en deux, il serait toujours là. Comme un gros caillou. Ça, ça peut user un homme. Ça fait comme s'il n'y avait plus de place pour ressentir autre chose. Je me demande si c'était ça qu'elle voulait dire. Croyez que vous en aviez juste pour quelques minutes en ville. Dépêchez-vous. Aidez-moi à mettre le matos dans la Jeep. Je suis vraiment désolé de vous demander ça, mais tous mes groupies sont malades aujourd'hui. C'est comme ça. Et allez vite vous changer. Préparez-vous à passer une folle nuit de rock'n'roll. Tu peux me dire de quoi tu parles? Je peux te dire que je parle du plus grand démon vivant de la guitare électrique. Sans vouloir vexer Stevie Vai. Louis fait partie d'un petit groupe de la région. On n'est pas obligé d'y aller. Bon, si, ça peut être marrant. En plus, ça te fera du bien. Tu vas au bar, tu bois un coup, tu te relaxes et tu t'éclates la tête avec la musique. T'as jamais vu un groupe comme ça. Oh, it's okay, where nothing ever works out right. Where everybody's lonesome and there's no relief inside. I buy my drink, and then I know only too well the ship's both broken hard heaven and honk it's all hell. Honk it's all hell where nothing ever works out right. Where everybody's lonesome and there's no relief inside. Alors, c'est la copain de Kate et de Louis? Oui. Enchanté. Le voyou ressemble à une cerise confite sur un rôti de porc, vous ne trouvez pas?
and honky tonk hair. I take my seat, I buy my drink, and then I know only too well this is both broken heart hell and honky. Je vais le faire jouer plus souvent les jours de semaine. Et quand il sera au coin, il jouera le week-end. C'est super. Moi, je crois qu'il est prêt pour le week-end. Il n'ira même pas jusqu'à la fin de la semaine. Pourquoi ? Mon père va bientôt rentrer de Chicago. S'il apprend que Louis vient jouer ici, il ira voir le shérif pour qu'il fasse fermer la boîte. Une boîte aussi sympa que celle-là ? I'll just set both glasses in a row. Practice my forgetting one more time. C'est Drake Bellin, la grosse brute locale. Il émerge de la forêt à peu près une fois par mois et il apporte un peu de sa bonne humeur en vie. Hey, ton flipper de merde est pourri. It's as easy as one, two, three. All it takes is all of me. J'ai dit, ton flipper de merde est pourri. Il n'est pas pourri, Trek, tu viens de faire tilt. Il a fait tilt pour de bon maintenant. Au moins, cette fois-ci, il a défoncé une machine. Et pas une tête. It's gonna be easy, I'm gonna be free. Salut mon petit cœur.
putain de porte! Tu te souviens du mauvais œil? Nom de Dieu! Ça suffit! Laisse-moi sortir d'ici! Ouvre cette putain de porte! Nom de Dieu! Que tu fous? Hé! Arrête! Ouvre la porte! Hé! Non! Non! Arrête! Non! Que t'étais. Alors? Ça t'a gonflé, c'est ça? Je vais te confier quelque chose. Eddie Van Halen a commencé en jouant de la polka. Tu n'as pas répondu à ma question. Ça m'a gonflé. Vous auriez dû rester. Ils ont fait toute une série de chansons de Willie Nelson. Willie Nelson, c'est de la merde. Vous n'aimez pas la country music, Tom? La country music, c'est bien, c'est Willie Nelson qui merdique. Et pourquoi? Willie Nelson, c'est un mec qu'on n'a jamais bavé. Salut, Jack. Désolé, on ferme. Et alors? Qu'est-ce que vous voulez? On est venu lui dire qu'on regrette ce qui s'est passé l'autre jour. Dis donc, elle est super chouette, ta guitare. Tu vois, Harlan et moi, on en a encore gros sur la patate à cause de toi. Moi, ce que tu m'as fait, je m'en fous. Ouais. Pete, ça l'a un peu énervé que tu lui balances un couvercle de chiottes sur la gueule. Il a pris ça comme une insulte. Alors, pour régler la question, on a décidé d'aller te battre avec Pete. Je ne veux pas de bagarre chez moi. Relax. Salut, pas. Luc, dis à tes garçons d'aller se battre ailleurs. Ça m'a l'air très bien ici pour se battre. Bon, ce sera un combat loyal. Pas de couvercle de chiottes, rien de tout ça. Un contre un. Toi et Pete. Et si Pete trébuche ou tombe par terre, tu vois ce que je veux dire? Si ça se passe mal, quoi. Tu continues avec moi. Je ne veux pas me battre. Vous croyez pas que ça suffit comme ça? Ils ont envie d'une raclée supplémentaire. Tant mieux. Allons-y, les gars. Je refuse de me battre. C'est ma guitare! Salaud! Tu veux te battre maintenant? Oui. Maintenant. Vous m'avez beaucoup déçu tous les deux aujourd'hui. Alice m'a dit que tu avais quitté le motel. Tu es donc devenu un vagabond. Il va nous éviter à tous les deux pas mal d'ennuis. En mettant ça. Il habite avec nous. Et il peut rester aussi longtemps qu'il voudra. Ton père est au courant de ça. Il le saura quand il reviendra. Et tu crois que ça lui plaira?
Et vous, vous croyez que ça lui plaira, ce que Pete a fait à mon frère? Shérif, il y a le feu dans la carrière. Ça a commencé dans le tas de ferraille de truck. Il est tombé au fond. Je m'étais pas trompé sur ton compte. C'est vrai que tu nous portes la poisse. Kate, tu vas nous rendre à tous un grand service. Débrouille-toi pour que ton copain prenne le premier bus demain. Bon, l'un dans l'autre, on aura passé une bonne soirée. Je crois que je vais aller faire une overdose d'heavy metal. T'en fais pas, il s'en remettra. Je partirai demain. Pas parce que le shérif l'a demandé? Je vous ai causé assez d'ennuis à tous les deux. T'es pas obligé de partir, tu sais. Et t'es pas obligé de passer la nuit dans le garage. On ne ferme jamais les portes ici, la nuit. De faire pour qu'il puisse se passer. Il faut que tu restes à l'intérieur et que tu ne sors pas d'ici tant que je ne serai pas de retour. Tu as bien compris? Où est le gamin? Il s'est endormi. Allez le chercher. Non! Ne dérogera pas. Non. On n'est pas venu pour ça. J'ai l'impression que c'est un horrible accident. C'est un problème? Non, il n'y a aucun problème. Il faut seulement que ce feu soit assez chaud. Ça a l'air de te plaire par ici. Pas vraiment, non. Je venais souvent jouer ici. Louis et moi, on jouait à Robin des Bois quand on était gosses. Robin des Bois? J'aime bien ce bouquin, ma mère me le lisait. Et aussi Le Hobbit. Tu connais l'histoire du Hobbit? On a la cassette. Ta mère, ça devait être quelqu'un de vraiment bien. Pas la tienne?
Tu t'entendais bien avec ta mère? Ça dépendait des jours. On faisait souvent du cheval ensemble. Une fois, je devais avoir 10 ans. Je me suis réveillée au milieu de la nuit. J'avais entendu du bruit. J'ai vu ma mère assise sur une chaise qui me regardait dormir. Et le matin suivant, c'était mon père qui nous faisait le petit déjeuner. J'ai jamais oublié ce petit déjeuner. Des beignets au sirop. C'est déjà loin. Quand on a eu fini de manger, j'ai dit « Où est maman ? Elle est allée faire une promenade à cheval ?» Il a dit non. Elle n'est pas en promenade. Elle est partie pendant la nuit. Et elle ne reviendra sûrement pas. Tu sais, moi aussi, je fais des cauchemars. Mais ils ne me font pas hurler. Ils me laissent une impression de vide. Mon père est rentré. Il voudrait te voir. Voilà mon père. Bienvenue chez nous. C'est très bien d'avoir donné une leçon à Pete et Harlan. Ils se croient tout permis, ces garçons, parce qu'ils sont les fils du shérif. J'ai pu comprendre que tu avais sauvé la vie d'un chien. Peut-être que ce serait une bonne idée d'avoir un chien chez nous. Bien, on va rentrer. Alors ? Ce n'est sûrement pas une conversation très passionnante pour toi. Nous parlons de gens que tu ne connaissais pas et qui viennent de mourir. Mais c'était mes amis. J'ai chassé avec eux. Tu es un bon chasseur? Pas très, non. Hein, c'est un beau sport. On est en totale communion avec la nature. Je ne sais pas si c'est vraiment ça, une communion. Vous avez des fusils et la pauvre bête que vous traquez n'a pas la moindre chance. Je crois que Kate a vu Bambi à un âge un peu trop tendre. Louis, mange un peu de légumes, fiston. Tu sais, ces gosses sont... Ils sont ce qui est le plus important au monde pour moi. Je les gâte beaucoup trop. Oui. Je leur rends la vie trop facile. C'est comme ce que je disais à propos de la chasse. Je trouve que quand on mange de la viande, autant savoir d'où elle vient. Il faut prendre ses responsabilités. Tu n'es pas d'accord? Je crois qu'on doit répondre de ses actes, si c'est ça que vous voulez dire. Plus ou moins. Tu es sûr que tu n'es jamais venu à Whitebrush? C'est drôle. Ton visage me semble très familier. Tu as peut-être un sosie quelque part. Moi aussi, j'en ai un. Quand j'étais plus jeune, on disait que je ressemblais à Dennis Weaver. Tu sais, Marshall McCloud. Où est ta famille? Ma famille? Ton père et ta mère? Ils sont morts. Je vois. Je suis désolé d'avoir ravivé de mauvais souvenirs. Mais tu comprends, je rentre à la maison. Je trouve un jeune et beau garçon qui couche sous mon toit. Et ma fille qui lui lance des œillades. Alors j'ai le droit de poser quelques questions.
Tu as baisé ma fille? Papa, quel culot. Ne me raconte pas d'histoire. Merci de m'avoir accueilli. Je suis vraiment désolée. Je ne sais pas pourquoi mon père a fait ça. Ça n'a pas d'importance. Pas d'importance? Qu'est-ce que ça veut dire? Où est-ce que tu vas? Je peux pas rester ici. Mais bien sûr que si. Je vais en parler avec mon père. Ça va s'arranger. Je veux pas que tu lui en parles. Pourquoi est-ce que tu réagis comme ça? Crois-moi, Kate. Il vaut mieux que je m'en aille. Oui. Je veux ma chambre. Non, je regrette. J'ai payé pour une semaine. Je ne peux rien contre eux. Vous m'avez vu quand Luc est arrivé. Je vis ici, que voulez-vous que je fasse? J'ai eu un coup de fil de Forrest Garvey. Il est encore pire que Luc. Si je vous laisse entrer, toute cette baraque va bientôt brûler. J'ai payé pour une semaine. Je vais vous rendre votre fric et je ne vous devrai plus rien. J'en veux pas du fric. Qu'est-ce que vous avez fait pour que Garvey vous haïsse à ce point-là? Une sacrée peau de vache, ce Garvey. C'est une chance que les gosses ressemblent à Amanda. Mon Dieu, quand je pense à ce que Garvey a fait à cette pauvre femme. Qui c'est, Amanda? Leur mère. Kate et Louis ne l'ont jamais su. Toute la ville a peur de Garvey et de Luc. Vous voulez savoir autre chose? Pourquoi vous restez ici? Vous savez bien. Un jour, je suis partie en Californie pour gérer un motel à côté de Bakersfield. Une nuit, il y a eu ce routier qui est arrivé. C'est partout la même chose. Sortez. Allez. Il est venu par ici? Pas que je sache. Tu en es bien sûr? Je te dis que si je le voyais, je t'appellerais. T'as intérêt. Tu me prends pour une idiote, quoi? Je reviendrai à la fin de la semaine, on souperait ensemble, d'accord? Bonsoir. T'as intérêt à le trouver, cet enfant de putain.
malheureusement fait que très peu de victimes. Grâce au sang-froid du gardien, bonne chasse. Les pompiers ont pu être prévenus dès que le feu a pris au 6e étage. Et l'immeuble a été évacué en totalité avant même l'arrivée des pompiers. Cependant, les dégâts matériels sont très importants. Vous dépose quelque part ? Non, merci. Le shérif vous a demandé de partir ? Oui, il me l'a demandé. C'est sa voiture, là. Oui, je sais. Vous avez fait du bon boulot avec ces voyous. Ça fait longtemps que les gens d'ici trouvaient qu'ils méritaient une leçon comme celle-là. Alors pourquoi personne n'a jamais rien fait ? Alors, faut comprendre. C'est leur père qui est le shérif, alors. C'est un peu normal, non ? Ah, vous trouvez ? Trouver du lilas. Je vais dîner avec Alice ce soir. Alice adore l'odeur du lilas. Il s'en est passé des choses ces jours-ci. Ça m'a fait de la peine quand même pour mes garçons. Ça fait plus de 10 ans que Truck gare son vieux tas de ferraille sur la pente de cette colline. Tu te rends compte? 10 longues années. Et tout d'un coup, le frein lâche précisément le lendemain de la mort de Jim Walters. Je trouve ce genre de coïncidence un peu trop difficile à avaler. Tu vois ce que je veux dire, Ben ? Ben ? Le frein n'a pas lâché ce soir-là, shérif. C'est moi qui l'ai desserré. Et votre copain ne s'est pas étouffé avec son sandwich. Mais qu'est-ce que tu veux ? Je suis venu vous dire au revoir. Ça y est, je sais qui tu es. Bien. J'aime mieux que vous le sachiez avant de mourir. Ben, mais où est-ce que t'es, mon Dieu ? Un chien, tu l'as laissé prendre mon arme. Tu vas rester exactement là où t'es, tu m'entends, petit vaurien. Reviens ici tout de suite. Tu m'entends, j'ai dit reviens. On sentait en état d'arrestation. Tu vas obéir, oui ou merde. Tu vas pas aller très loin comme ça. Car à toi, tu refuses d'obéir à un représentant de la loi. Je savais que tu reviendrais par ici. C'est l'endroit où tes parents sont morts ? C'est l'endroit où on les a assassinés. Papa ? Tes parents ont eu un accident. Leur bus a pris feu. Je n'appelle pas ça un meurtre. Kate m'a dit que tu venais rôder par ici. D'ailleurs, je t'avais reconnu. Je n'aurais pas oublié le visage de celui qui a tué mon meilleur ami. De quoi est-ce que tu parles ? C'est lui qui a tué mon copain Jenny il y a des années. Dites-lui aussi pourquoi je l'ai tué. Tu vas fermer ta gueule ! Dites-lui aussi comment ça s'est passé et comment ma mère vous a supplié. Ça suffit ! Non ! Arrête ! Non ! Lâche pas la paix, Kate ! Papa, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Tu ne sais rien, tu ne peux pas comprendre. Tu es comme ton idiote de mère. Non ! Oh!
Je crois qu'il serait temps de dire à Kate ce qui est arrivé à sa mère. J'ignore de quoi vous parlez. Je parle de son internement dans ce sanatorium. Qu'est-ce que tu lui as fait? Je ne l'ai fait que pour son bien. Pas pour le vôtre? Il n'y avait pas d'autre solution. Il a fait interner ta mère dans un sanatorium. Ta mère avait le choix, Kate. Le shérif l'a aidé pour les papiers. Kate, écoute ma chérie. Ta mère était malade. Elle ne comprenait pas. Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour vous, pour toi, ton frère, pour qu'on puisse rester ensemble. Ma chérie. Non, ne me touche pas. Kate! Tu me dégoûtes! Kate! Kate, ma chérie, attends! Espèce de petit salopard. Tu peux y aller, tue-moi. C'est pour ça que t'es revenu, hein? Tu perds du temps, vas-y, tue-moi! Allez, vas-y, bon Dieu, tue-moi! Vous êtes déjà mort. Tu m'as dit que tu laissais la porte ouverte. Je ne l'ai pas tué. On va essayer de retrouver ma mère. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tout ce que j'avais à faire, je l'ai fait. Alors, ça valait le coup? J'en sais rien. Tu l'as raté, imbécile. Tu t'occupes de la baraque et moi de la grange. Alors, Arla, Pete, je l'ai déjà dit à ton frère, et je te le dis à toi maintenant. Laisse tomber. C'est pas après vous que j'en ai. Ça va? Oui. Oh, Louis,
Va chercher le désinfectant et un bandage. Je ne crois pas que ce soit nécessaire. Espèce de salopard! Tu t'imaginais que j'allais te laisser foutre ma vie en l'air et t'en tirer comme ça? Louis, emmène ta sœur à l'intérieur. Pourquoi t'as fait ça à maman? Tu vas emmener ta sœur à l'intérieur de la maison! Éloigne-toi, Kate! Il aurait pu te tuer, il t'a laissé en vie. Il a commis une erreur. Il y a eu trop de morts. Ça suffit. Tu n'as rien compris, il a tout caché. Tout détruit. Non, papa. C'est toi qui as tout détruit. Il paraît que ma mère est à Bellingham. On va aller la voir. Bellingham est au nord de l'État. Sur la route 125. On peut te déposer. Bonne chance, vieux! Tu vois, c'est pas mon chien! Every time it's gotta be a place in your heart.